Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me demande si ceux qui qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui parlent ni l'allemand, ni le français, ni l'anglais, mais je pense que nous ressentons ce qui est chanté, même si nous ne comprenons pas tout, mais le mot Maranatha, nous le comprenons tous dans toutes les langues et nous sommes reconnaissants. Moi particulièrement, je souhaiterais que toutes les langues soient comprises comme c'était le jour de la Pentecôte. On n'avait pas besoin de traduction. Ce que Pierre disait a été compris dans 17 autres langues par la révélation du Saint-Esprit. Pierre n'a pas eu besoin que sa prédication soit traduite. C'est le Saint-Esprit qui a pris en contrôle la traduction. On va voir ce qui va se passer encore. On va voir si Dieu peut, si Dieu permettra que cela se répète. On va voir si la Bible dit que la fin doit être semblable au commencement. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce que Dieu va faire. On va voir ce que Dieu va faire. Amen. 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 Oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je suis rempli de la grâce de Dieu. Je voudrais remettre des salutations de la Russie, de la Moldavie, de Kinshasa, de l'Hongrie, de la Porte Elisabeth, de Kinshasa, de partout, du frère John, du frère Daniel, et très particulièrement des salutations de Wendell Ellis de Edmonton avec toute sa maison, du frère Motika, des salutations d'Abidjan, des salutations du frère Bautista, oui, un beau nom, des salutations de Richard, des salutations encore de la Porte Elisabeth. Oui, tous nous savons où est-ce que cela se situe, se trouve. Ensuite, des salutations du frère Jumba, des salutations du frère Kukusti, des salutations du frère Augustine, des salutations du frère Loboya, des salutations du frère Lomba, des salutations du frère Yann, des salutations du frère Kaluchiba, oui, des salutations encore de Turban, l'Afrique du Sud, des salutations, oui, aussi d'un frère John, des salutations d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, des salutations encore de la Côte d'Ivoire, des salutations du frère Nyagi de Nairobi. Que tous nos frères sachent que même si on se résume brièvement avec les salutations, qu'ils puissent tous savoir que nous nous sentons liés avec eux profondément et nous sommes surtout reconnaissants pour tous les frères. Oui, nous avons notre frère Cosma Brass de Cabinda. Nous l'avons entendu prier. Qui peut voir que son église est l'église du Seigneur, l'église du Seigneur dans laquelle il sert, à plus de 1500 membres, enfin frères et sœurs. Dieu, d'une manière merveilleuse, a béni et encore béni. Nous souhaitons à notre bien-aimé frère qui est très proche de la frontière du Congo,
qui habite pas loin de la frontière du Congo et qui maîtrise bien les deux langues, le portugais et aussi le français. Et ça aussi, c'est un don de Dieu, de ce qu'en cet endroit, nous avons les différentes langues. Pensons à nos 12 traducteurs en haut dans les cabines, dans toutes les différentes langues. Ainsi, dans toutes ces différentes langues, des hommes peuvent écouter et suivre, et écouter ce que Dieu, par sa grâce, fait dans ce temps. Hier, nous avons rapidement parlé des événements actuels et particulièrement ce qui concerne Jérusalem, Israël et ce qui se passe là-bas. Nous avons mentionné ces choses et je peux dire que je connais un peu la situation et la région. Ma première visite en Israël était en 1964, ça fait quand même plusieurs années, alors qu'Israël était encore divisé et que j'avais besoin de 2 passeports. L'adversité était si grande, on ne pouvait pas, avec le même passeport, aller dans l'autre pays. On devait avoir 2 passeports. Mais Dieu soit loué, depuis lors, j'ai toujours 2 passeports. Depuis lors. Mais je dois dire, nous avons vu toutes ces choses durant ces années. Et aussi le temps où nous pouvions être à Gaza, à Ashkelon et dans toutes ces différentes villes. Nous avons, n'est-ce pas, suivi tout le déroulement des événements durant ces années. Et maintenant, nous écoutons que cela ne durera plus, ne devrait plus durer des années. Tout officiel, il a été expliqué et déclaré que entre 6 et 9 mois, tout doit être signé pour qu'il y ait la paix et la sûreté, pour que la paix et la sûreté soient garanties. Tous les contrats prévus doivent être signés. Dieu lui seul sait combien de temps cela durera encore. Mais notre devoir principal consiste vraiment en ce que nous soyons prêts. Prêts pour que quand les trompettes retentiront, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, et que la voix de l'archange retentira, et que le Seigneur revienne, et que les morts en Christ, premièrement, ressuscitent. Alors ensuite, ceux qui sont restés vivants en Christ, pas tous ceux qui sont restés vivants, pas tous, mais ceux qui sont restés vivants et qui sont et qui vivent en Christ et qui marchent avec Dieu, et cela en accord avec la parole de Dieu, ou bien alors ont été apportés en accord avec les Écritures, avec la Bible. S'il vous plaît, comprenez bien, nous ne sommes pas ici en opposition à toutes les différents enseignements et doctrines qui sont vendus dans les marchés religieux. Nous sommes ici pour donner seulement raison à Dieu et placer sa parole à la première place, c'est-à-dire sur le chandelier, et prêcher tous les enseignements bibliques. À cela appartient le sujet de la divinité, le sujet du baptême d'eau, le sujet du souper du Seigneur. Nous devons en toute chose revenir au commencement, revenir à l'original, revenir au fondement des apôtres et des prophètes qui, en toute chose, dans l'Église primitive, demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Et disons-le clairement, tout le monde dénominationnel et religieux se rassemble sous la domination de l'enseignement de la Trinité. C'est connu partout. Partout, ils enseignent et ils croient à la Trinité. Et l'Église, dans le Troisième Reich, dans le IVe siècle, avec la Trinité, a commencé. C'est avec cette doctrine que l'Église a commencé, donc a été l'Église catholique.
Et c'est ainsi que toutes les églises mères, toutes les églises, pardon, filles, sont restées dans cette doctrine trinitaire et sont revenues maintenant au sein de leur mère. Et c'est dans ce temps, justement, où toutes les églises filles de l'Église catholique sont en train de revenir dans le sein de leur mère, c'est maintenant, justement, que le dernier message retentit. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur, pour que vous n'ayez pas part à ces péchés. Ça, c'est 2 Corinthiens 6 et Apocalypse 18. Particulièrement ceux qui lisent les épîtres de Jean. Par exemple, 1 Jean, le chapitre 4, très particulièrement. Comment est-ce que nous reconnaissons qui est Antichrist? Celui qui ne croit pas que Jésus est le Christ, c'est-à-dire pas un fils que le Père aurait engendré dans l'éternité. Ça, c'est l'enseignement de la Trinité, justement. Mais l'enseignement biblique est que le Fils, dans tout l'Ancien Testament, a été seulement qu'annoncé. Sa venue a été annoncée. Aujourd'hui, il est écrit, aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Et quand l'accomplissement des temps fut arrivé, comme c'est écrit dans Galates, chapitre 4, aussi dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 14, c'est accompli. Je lui serai père et il me sera fils. Et c'est ainsi que nous voyons l'accomplissement. La parole de la promesse a été apportée à Marie et le Saint-Esprit, la couverte de son ombre, et le Fils de Dieu fut né dans tout l'Ancien Testament. Il était le Seigneur, le Je suis, mais pas encore devenu chair, devenu homme, devenu, donc pas encore venu à nous pour nous sauver, pour nous racheter. Mais c'est ensuite qu'il vint. Le Seigneur de gloire, le même qui marchait dans le jardin d'Éden, qui a créé Adam à son image, qui s'est assis avec Abraham, chez Abraham, et a pris le souper avec lui, pas seulement dans Genèse 14, alors que Melchisédek en tant que le roi de Salem, mais ensuite dans le chapitre 18. Donc, partout, au travers de tout l'Ancien Testament, il est le Seigneur et il est resté Seigneur, mais devenu homme, restant Seigneur, devenu homme à cause de l'homme, pour ainsi, par sa grâce, nous accorder la rédemption. La rédemption. Donc, c'est pour cette raison que nous avons cette désignation, Dieu le Fils. Nous n'avons pas une unique fois dans toute la Bible cette désignation Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit non plus. Pas une unique fois dans la Bible, vous trouverez l'expression Dieu le Saint-Esprit ou bien alors Dieu le Fils. Mais toujours, et cela, il est parlé du Dieu. En français, cette expression n'existe pas. Le Dieu constitué d'une seule personne. Einige Gott, constitué d'une seule personne. Donc, il est écrit 600 fois dans l'Ancien Testament. Elohim, Yahvé, cette combinaison existe. Dieu, le Seigneur, restant le constitué d'une seule personne d'éternité en éternité. Mais à cause de son conseil du salut pour l'accomplir en tant que Père au ciel, dans le Fils sur terre et dans l'Église par le Saint-Esprit qui est son Esprit, il s'est révélé. Nous sommes donc, oui, dépendants de Dieu. Et nous devons croire, comme le dit les Écritures, et je vous demande d'accepter cela. La séparation doit avoir lieu dans le cœur et aussi dans la réalité. Et c'est pour cette raison que tous ceux qui ont été baptisés dans les titres trinitaires, toutes ces personnes-là doivent être baptisées de nouveau bibliquement, doivent se refaire baptiser bibliquement, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible autrement. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est le chef de son Église. Il l'a racheté et il a dit, je bâtirai mon Église.
et les portes du séjour des morts ne révolteront pas contre elles. Donc tous ceux qui sont baptisés dans les titres trinitaires doivent se refaire baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Philippiens de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Philippiens 1, verset 18. Seulement pour votre information et sûreté, ici, dans Romains, le chapitre 3, de manière particulière, c'était Pierre, Paul, pardon, qui a souligné cela et qui a relevé cela en insistant. Romains, chapitre 3, verset 30. Romains, chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu, le mot seul Dieu, en allemand, le mot seul veut dire déjà constitué d'une seule personne. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et la même chose est écrite aussi dans Galates. Galates, chapitre 3, ici c'est encore écrit ici en insistant que dans la vérité il n'y a qu'un seul Dieu constitué d'une seule personne. Galates, chapitre 3, verset 20. Galates 3, verset 20. Oui. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Vous voyez, Dieu est un seul. Pas seulement un seul Dieu, mais ce seul Dieu-là est un seul. Sans considérer comment est-ce qu'il se révèle. Comment est-ce qu'il se révèle? Pas seulement qu'il y ait un seul Dieu, mais ce seul Dieu-là, il est un seul. Et pas seulement qu'il se révèle en tant que Dieu le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, en tant que Créateur. Ça n'a pas d'importance dans quelle forme il se révèle. Il reste le même. Donc, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Et parce que nous insistons là-dessus et disons, écoutez s'il vous plaît, Dieu n'est pas constitué de trois personnes, mais il est un seul. Le temps est là où nous devons donner raison à Dieu. Et sans faire de compromis, il y a encore d'autres écritures qui nous montrent que Dieu est constitué d'une seule personne. Et on ne peut pas dire, oui, bon, peut-être que... Non, le mot peut-être n'existe pas devant Dieu. D'une seule source ne peut pas jaillir une eau douce et amère. On ne peut pas non plus semer des épines. Vous comprenez? La vérité reste vérité. Le mensonge ne deviendra jamais vérité. Ça reste toujours mensonge. C'est pour cette raison qu'il est écrit qu'il n'y a aucun mensonge qui a son origine dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et nous en sommes reconnaissants que Dieu a pu utiliser un homme dans notre génération. Et justement, bien mes frères et sœurs, l'homme le plus simple qui existait, qui dans le 20e siècle sur terre marchait, était Frère Branham. Sa grand-mère était plus mauvaise que la mienne. Un homme simple. Mais si Dieu dit par Paul que ce qui n'est rien devant le monde, c'est justement ce que Dieu a choisi. Qui étaient les prophètes? Des hommes vus? Non. Bien vus? Non. Tous ont été persécutés, sciés, lapidés. Mais pas seulement les prophètes, mais aussi tous ceux qui sont envoyés de Dieu. Ce n'est pas chaque envoyé qui doit obligatoirement être un prophète. Dieu a des prophètes. Et Dieu ne fait rien sans révéler premièrement ses secrets à ses prophètes. C'est écrit dans Amos, chapitre 3. Mais tout ce qu'il envoie exécute ce que Dieu a révélé à ses prophètes. Et cela est valable aussi à notre temps.
Donc, nous vivons dans le dernier laps du temps avant le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est devant la porte, est proche. Et il est très important que tous nous restions sobres et normaux. Continuons normalement à vivre une vie ordinaire, aller au travail et avoir les deux pieds sur terre. Mais dans notre cœur, nous sommes liés avec Dieu et vivons dans sa directe présence et avons un amen à chaque parole de Dieu. Et c'est ainsi que, comme dans l'Apocalypse chapitre 19, il est écrit « Et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement de fin lin éclatant. » Et ça aussi, Apocalypse 19, à partir du verset 7, nous avons dit en insistant, « Seulement celui qui appartient à l'Église épouse, à l'épouse, c'est celui-là qui, dans ce temps, prêtera l'oreille à la voix de l'époux. Seulement avec l'épouse est établi cette relation avec l'époux. Et si Dieu, le Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament dit, je veux me fiancer avec toi en justice et éternellement, Dieu, par Jésus-Christ, s'est fiancé avec son épouse. Nous lui appartenons. Et comme déjà cela a été dit, tel que Adam est sorti d'Ève et lui a été reconduit, lui a été conduit. C'est ainsi que Paul écrit dans Éphésiens, le chapitre 5, concernant l'Église, qu'elle est chair de sa chair et eau de ses eaux. Aussi, certains, le côté de notre Seigneur et Rédempteur, sur la croix à Golgotha, fut ouvert. Aussi certain que cela a eu lieu, qu'il fut percé, que son côté fut percé, c'est ainsi que l'Église, l'épouse, est sortie de lui, eau de ses eaux, chair de sa chair, telle que Ève est sortie d'Adam. C'est ainsi que le côté de Jésus a été percé. Donc n'attendons pas à ce que d'autres nous comprennent, non. Mais ça, je voudrais ici le dire clairement et ouvertement. Nous avons le droit de revendiquer tout ce que Dieu nous a accordé. Car à vous et à vos enfants, à vous et à vos enfants, cette promesse est valable et à tous ceux et à tous ceux que le Seigneur appellera. Donc, tout ce qu'il appelle, qu'il appelle à eux appartient, est valable cette promesse. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Seulement celui qui est perdu peut être sauvé. Le Seigneur est venu pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. Et si tu as perdu quelque chose, alors il faut d'abord que tu l'aies possédé auparavant. N'est-ce pas? Sinon, on ne peut pas parler de perdre quelque chose. Il faut que tu l'aies d'abord possédé avant de pouvoir l'avoir perdu. C'est ainsi que nous appartenions à Dieu déjà, avant même la fondation du monde. Mais par la chute de l'homme, nous sommes perdus et nous avons été sauvés, retrouvés, ramenés au commencement dans la position de fils et de fille de Dieu. Dieu nous a adoptés, nous a retrouvés, nous a agréés. Et cela sera manifesté, oui, tel que Jean l'a écrit dans 1 Jean, le chapitre 3, de 1 jusqu'à 3, que nous lui serons même semblables. Jean 3, verset 1 à 3. Oui, nous lui serons semblables. Dieu nous a adressé la plus grande vocation qui existe. Elle est céleste. Il n'y en a pas plus grande. La vocation. Et de pouvoir maintenant, dans ce temps dans lequel nous vivons, croire, comme le dit les Écritures, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ça ne vient pas de nous. De croire, comme le dit les Écritures.
Car notre Seigneur dit encore aujourd'hui, celui qui croit en moi, comment? Comme le dit les Écritures, comme le dit la Bible, ça c'est le grand mystère. Le respect, d'avoir, de respecter la Bible, de respecter la parole de Dieu, de ne pas faire ce qu'on veut. Nous avons hier parlé de l'Arche de l'Alliance. Nous avons parlé de la parole qui avait été placée dans l'Arche de l'Alliance. Oui, nous avons parlé du sang qui était apporté sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance. Le sang, l'Arche de l'Alliance a été aspergée de sang pour ainsi produire pour l'Église le pardon, la réconciliation et le salut. Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 9, notre Seigneur, avec son propre sang, en tant que le souverain sacrificateur fidèle, est entré dans le sanctuaire céleste. Et le sang parle pour nous. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, accepter ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé gratuitement. Si ensuite, nous venons à parler du sujet Arche de l'Alliance. Vous pourrez aller à David, à Samuel. Qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a donné cet ordre au sacrificateur. Prenez l'Arche de l'Alliance et portez-la sur vos épaules. Et allez au Jourdain. La parole de la promesse, Bernard, c'était Josué. La parole de la promesse était dans le jardin d'Éden. Alors devant la parole de la promesse, le Jourdain a dû se diviser comme la mer rouge. Pas parce que Moïse le voulait, mais c'était à cause de la parole de Dieu qui était dans l'Arche de l'Alliance du temps de Josué que le Jourdain s'est séparé, s'est divisé. Et Dieu a confirmé sa parole. Je m'excuse si encore une fois, ici, après si longtemps, je le répète. Mais dans Josué, le chapitre 3, il y a aussi quelque chose de merveilleux qui est écrit. Dans Josué, chapitre 3, ici, il est écrit au verset 5 et 6. Josué chapitre 3, verset 5 et 6. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passer devant le peuple. Ils portèrent l'Arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Ce qui me touche, et ça je le dis devant la face de Dieu, vous savez, un appel, un envoi, personne ne peut se l'attribuer, ne peut se le donner, mais les mêmes paroles qui sont écrites ici dans Josué, le premier chapitre, au verset 11, étaient les premières paroles que le Seigneur, mot à mot, a répétées, que j'ai entendues audiblement de mes oreilles. Cela, le verset 11, la partie Josué 1, verset 11. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Préparez-vous des provisions. Les mêmes mots, mot à mot, je les ai entendus exactement comme ça. Préparez-vous des provisions. Le 2 avril 1962, le Seigneur a répété les mêmes mots exactement comme ça. Même ici, comme c'est écrit au pluriel, préparez-vous. Il n'a pas dit
prépare-toi des provisions. Prépare-toi des provisions. Non, il a dit préparez au pluriel. Préparez-vous des provisions. J'ai entendu ça de mes propres oreilles audiblement en 1962. Vous savez, aucun homme peut s'attribuer quelque chose. Mais si un mandat direct existe, alors à cela est liée une responsabilité. Et c'est peut-être raison que nous devons exécuter et prendre au sérieux ce mandat. Et aussi concernant cela, j'ai dû penser à ce que le 1er avril 1962, justement, le 1er avril, un jour avant, frère Branham a reçu le même ordre. Il a même prononcé ça de sa propre bouche. Il lui avait été dit d'annuler donc le voyage pour Zurich, mais de revenir et d'emmagasiner des provisions, de la nourriture. Et ensuite, suivi le 2e avril, le Seigneur donc a dit, je t'enverrai ensuite de ville en ville, mais préparez-vous des provisions, car une grande famine viendra et tu devras alors te tenir parmi le peuple et distribuer la nourriture. Nous vivons réellement dans cette époque, bien mes frères et sœurs, où beaucoup de prophéties s'accomplissent. Et si ensuite nous pensons à Matthieu 24 et aussi Matthieu 24 et à beaucoup de frères qui existent dans les peuples et parmi les nations. Matthieu 24, verset 45, qui aussi a beaucoup de frères qui aussi participent, prennent part à la distribution de la nourriture. Bien, frères et sœurs, et qui ont part à cela, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est sortie de la bouche de Dieu. Et comme aussi le frère Alfred Borg l'a dit dans sa prière, ou bien alors dans la parole d'introduction, la parole ne vient jamais vide, ne revient jamais sans produire l'effet pour lequel Dieu l'envoie. Elle doit produire l'effet et elle produit toujours l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Aussi, dans notre temps, bien-aimés frères et sœurs, mettez-vous à la disposition de Dieu. Vivez dans sa présence. Que sa parole puisse produire l'effet pour lequel elle a été envoyée dans notre temps. L'appel à sortir, la séparation, la sanctification, la préparation. Tout cela, c'est Dieu qui le produit en nous par sa parole, par la puissance de son sang et par le Saint-Esprit. Nous avons aussi, dans la parole d'introduction, entendu, et cela aussi me touche le cœur, il y a 200 ans d'ici, cela, non, mais il y a 2000 années, pardon, cela a déjà été écrit, et on trouve que, on remarque toujours de nouveau que ça pourrait être, avoir écrit hier. On a lu ça dans 1 Pierre. La fin de toutes choses est proche. Quand est-ce que cette parole aurait pu être lue avec plus d'insistance? Il lit maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre, ce qu'on a lu comme introduction. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Comme nous pensons ici à la parole du Seigneur dans Matthieu 24, verset 33. Quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, levez vos têtes car vous savez que votre rédemption est proche. Que votre rédemption est proche. Et au prochain verset, donc, verset 8 de 1 Pierre 4. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Voilà. 1 Pierre 4, verset 7 à 8. Et ça aussi, nous devons le mettre en pratique. Le mettre en pratique. Est-ce que nous avons besoin de nous efforcer à aimer quelqu'un? Non, je ne pense pas. On n'a même pas besoin de faire des efforts, de s'efforcer à aimer. Non, parce que, pourquoi? La vie de Christ, avec tous les fruits de l'Esprit, est en nous. Tous ceux qui sont fondés sur l'amour de Dieu, jusqu'à 1 Corinthiens 13. Oh, si je connaissais tous les mystères et que j'avais toute la foi,
mais que je n'avais pas l'amour. 1 Corinthiens 13. Et ça, c'est une phrase aussi que frère Branham, dans le paradis, a entendue, hein, alors qu'il fut ravi, pris de son corps, de son vivant, et ravi dans le paradis, hein, et qu'il a vu le troupeau, la troupe habillée en blanc, et subitement une voix a retenti, seulement l'amour parfait entrera ici. L'amour est parfait dans l'amour, c'est l'apôtre Jean qui a parlé de ça. Il a écrit, n'aimez pas de la manière de Caïn qui a frappé son frère. On peut parler de l'amour et pratiquer la haine. Dans la pratique, dans la réalité, c'est la haine. Non, c'est mieux de ce que l'amour de Dieu par le Saint-Esprit soit réellement d'abord déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Car comment est-ce que tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas et ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Et parfois, nous devons venir à parler de ces choses, de tout ce qui se passe aussi à l'intérieur du message, et tout ce qui est enseigné, tout ce qui est cru, tout ce qui est prêché, est dit. Je voulais en faire apporter le livre avec moi, où il y a un frère qui plus de 50 fois, ayant placé ma photo et la photo de frère Branham, il dit, Franck a dit, Branham a dit, Franck a dit, Branham a dit, Franck a dit, Branham a dit. Et en disant cela, j'ai dit, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est-à-dire, il aurait aussi mettre une troisième place et dire, mais les Écritures disent. Hein? Branham dit, Franck dit, Branham dit, les Écritures, et Branham, Franck dit, mais les Écritures disent. S'il aurait pu, sur tous ces différents sujets-là, dire les Écritures disent, il aurait compris que Branham voulait dire ce que les Écritures disent et que frère Franck a dit justement ce que les Écritures disent. C'est tout. Qu'est-ce que frère Branham a dit plusieurs fois d'une manière si merveilleuse? Il a dit, n'écoutez pas seulement ce que je dis, c'est ce que frère Branham a dit. Il dit, n'écoutez pas seulement ce que j'ai dit, mais écoutez ce que j'ai voulu dire. Faites attention à ce que j'ai voulu dire. Et ça, dans la lettre circulaire aussi, je l'ai écrit. Celui qui trouve une citation difficile à comprendre, il doit continuer à lire, il doit continuer à lire, il doit lire toute la brochure. C'est ainsi que ce qui a été mal compris sera éclairci et deviendra compréhensible pour lui. Mais quand on prend seulement ce qui nous arrange, on prend des citations qui nous arrangent pour faire ce qu'on veut faire, alors ça devient difficile. Alors, mais si on est neutre, on n'a pas de pensée et qu'on veut vraiment faire la volonté de Dieu, on lit toute la brochure et on comprend, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que frère Franck n'a aucun problème avec ne serait-ce qu'une seule citation? Aucun problème. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, de bien correctement le comprendre au travers des Écritures. Au travers des Écritures. Et nous pouvons en tout sujet dire, il est écrit dans la Bible. C'est seulement comme ça que nous sommes sûrs que nous avons bien compris tout. Et Dieu nous enverra, mes bien-aimés frères et sœurs, la pluie de l'arrière-saison. Mais avant cela, il faut que la semence incorruptible, la parole de Dieu, soit semée. Et je vous donne aujourd'hui un exemple. Le frère Rufa, l'un de mes vieux amis en Suisse, le dernier dimanche, m'a donné deux exemples de blé. L'un où la pluie de l'avant et de l'arrière saison est tombée et l'autre où la pluie de l'arrière saison est restée. Le frère Mullin, tu connais, n'est-ce pas, encore mieux que moi la nature. Tu es fermier. Moi aussi, je viens de la ferme. J'ai grandi dans une ferme. À ma main gauche, c'est un blé qui a reçu les deux pluies. Et à ma droite, c'est un blé qui a reçu un... Ici, le plein grain, le mur. Car la dernière pluie, la pluie de l'arrière saison, est aussi importante comme la première où la terre
devient ensemençable, donc féconde. Donc la première pluie, la pluie de l'avant-saison, a lieu avant l'ensemencement pour que la terre puisse être semée. Et ce grain, ce blé que je tiens, c'est un blé qui a reçu la pluie d'arrière-saison, c'est-à-dire la pluie qui tombe avant la récolte. Et je vous dis que ce que j'ai vu dans la vision, les grains de blé étaient encore plus gros que ça et même penchés. Et avaient même reçu du soleil comme une couleur bronzée. Donc ils étaient un peu foncés à cause du soleil. Et quand la voix du Seigneur a retenti, mon serviteur monte sur la moissonneuse, batteuse, et apporte la moisson et récolte. Vous savez que je suis... Le grain était même doré, et du soleil, doré par le soleil. Vous savez, mais je... En ce qui concerne manier les appareils, tout ça, j'ai des problèmes. Mais avec l'aide du Seigneur, même dans le songe, même dans la vision, c'était un tracteur nouveau, jamais utilisé. Je suis monté et bizarrement, le champ n'était pas rond. Il était donc rectangulaire comme ma Bible ici. Et la moissonneuse batteuse était ici en bas. Et donc j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Le temps s'est couvert et j'ai dit au Seigneur, c'est trop tard. Les jugements sont en train déjà de tomber, de frapper la terre. Et alors, une ouverture s'est ouverte dans les nuages et le soleil a brillé de toute sa splendeur. Et alors, la récolte a pu être prise, faite. Bien, frères et sœurs, la récolte est mûre. Et je voudrais aussi dire la chose suivante. Dans la vision, j'ai constaté directement, tout de suite, je le répète encore une fois, je viens de la ferme. Je sais comment on sème, je sais comment on récolte. Je sais ce que c'est que la récolte, je sais ce que c'est entretenir les plantes et ça, je connais tout ça. Mais j'ai vu que c'était que du blé. Il n'y a pas eu un seul ivraie. Il n'y avait pas dans le champ une seule mauvaise herbe, pas une seule. Ça, je l'ai tout de suite en esprit vu. Cela m'a été fait constater en esprit. J'ai tout de suite, c'était ma première constatation de voir que dans le champ, il n'y avait que de l'huile, que du blé. Aucun ivraie, aucune mauvaise herbe. Et alors, le blé, la vraie parole qui a été semée, et tous vous connaissez Jean 12, notre Seigneur, était le grain de blé qui est tombé en terre. Et il n'est pas resté seul, mais une récolte de grains de blé aura lieu. Et nous sommes devant cet événement, très proche, devant cette récolte. Et que Dieu puisse accorder sa grâce. Aussi, frère Branham, 36 fois l'a dit, qu'à la fin, avant le retour de Jésus-Christ, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, les deux pluies en même temps tomberont. Que en même temps, on va semer et on récoltera. On va semer et on récoltera en même temps. Cela a lieu maintenant encore, les deux choses. Nous sèmons la parole et en même temps, on récolte. Et pour finir, Dieu va faire de grandes choses comme jamais auparavant. Et l'heure de la préparation que le Seigneur nous a accordé par sa grâce est proche. Que le temps est là, depuis longtemps est là, je veux dire. Et comme il est écrit dans Jacques chapitre 5, nous sommes une partie de la parole, au verset 7. Et nous attendons, comme c'est écrit ici, que comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, nous attendons. Et frère Branham, et cet homme qui avait été envoyé pour prêcher dans ce temps et ensemencer la vraie parole, et Dieu a confirmé la prédication plus de 1500 fois.
la nuée surnaturelle. Dans plus de 1500 prédications est descendue et la présence de Dieu a été confirmée et manifestée. 112 fois, frère Branham a fait mention que dans cette nuée, dans cette lumière surnaturelle, c'était l'ange de l'Éternel lui-même qui est descendu. Bien-aimés frères et sœurs, croyez-moi, depuis 1955, alors que beaucoup de vous n'étaient même pas encore nés, encore moins nés de nouveau. J'ai été informé de la part de Dieu lui-même de la signification de ces choses dans notre époque. Je ne suis pas comme ça sauté. J'ai pas sauté comme ça dans de l'eau froide, comme ça subitement. Non. J'ai vu depuis le commencement. Le commencement de l'œuvre dans notre génération. Et j'ai vu, et j'ai pris part, et j'ai observé, j'ai pris part à tout ce que Dieu a fait dans notre temps. Et c'est ainsi que Dieu m'a accordé la grâce de correctement ordonner tout bibliquement. Et aussi ce que frère Branham a dit, l'ange de l'Alliance vient dans le temps où le septième ange de l'Église sera sur terre. Et les frères ne savent pas ce qu'il avait dans ses pensées. Pourquoi est-ce que, en fait, il disait cela? Mais puisque moi, je connaissais frère Branham et que j'ai grandi avec son ministère de la part de Dieu. Et soyez sincères, si cet homme qui prêche la parole lui-même n'a pas d'introduction dans la parole de Dieu, comment est-ce qu'il pourra l'apprécier aux autres? Et si Dieu appelle quelqu'un, alors cette personne, Dieu pourra faire confiance à cette personne que ce frère-là prêchera sa parole et rien d'autre. Si Dieu appelle un frère pour prêcher sa parole, il sait que ce frère prêchera sa parole. C'est pour ça que c'est justement qu'il appelle. Et nous savons ce que frère Branham a voulu dire et dans quel contexte il a voulu dire les choses. Résumons de quoi il s'agit pendant ce week-end ici. Nous avons reconnu que le temps de la grâce arrive à sa fin et que personne ne sait le jour et l'heure. Ça, c'est Paul qui l'a dit dans 1 Thessaloniciens, directement au commencement. Personne n'a besoin de vous de savoir le jour et l'heure, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais au chapitre auparavant, il est parlé de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4. Et tous ceux qui furent prêtes entrèrent au festin des noces. Il ne s'agit pas de connaître le jour et l'heure, mais il s'agit d'être prêt, de connaître, de savoir que le temps maintenant est là à se préparer. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Et qu'est-ce qui a été dit en relation avec l'arche de l'Alliance? Il a été dit, je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu. Et cela a été dit aussi en relation avec l'arche de l'Alliance. Je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Et c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, cette parole s'est accomplie. Il a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? Et ensuite, dans l'Église, selon 2 Corinthiens 6, la promesse est faite. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je marcherai, j'habiterai parmi vous, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Vous qui avez reçu cette promesse, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Et il y a encore quelque chose, bien mes frères et sœurs. Nous ne pouvons rien conserver et prendre avec nous des enseignements qui ont été enseignés dans les églises dans lesquelles nous étions. Non, nous sortons et nous laissons tout derrière nous. L'église n'est pas un bâtiment de mensonges. L'église du Dieu vivant est l'appui et le fondement de la vérité. La colonne de la vérité. Et nous avons aussi parlé hier du pectoral. La lumière et la droite et la vérité. Vous pouvez aller jusqu'à l'Apocalypse.
Ce que les Juifs, encore aujourd'hui, avec lumière et justice, les 12 pierres, les 12 pierres. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a offert ça. Et les sacrificateurs devaient porter ça sur leur poitrine. Et tout ce qui a été prêché a été confirmé par la lumière qui rayonnait. Et vous pouvez aller jusqu'à dans Apocalypse chapitre 21, bien-aimés frères et sœurs. Et là, ces 12 pierres précieuses, et cela en relation avec la nouvelle Jérusalem, sont mentionnées. Et d'abord, il est écrit, « Je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. » Donc, pas seulement la prédication parce que nous voulons le faire, non, mais la prédication parce que ça doit l'être. Et c'est peut-être raison qu'il faut que tout ce qui est prêché maintenant soit 100% en accord avec la Bible, la parole de Dieu. Ici dans Apocalypse, le chapitre 19, nous avons, n'est-ce pas, concernant l'épouse, Apocalypse 19, au verset 7, Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et il lui a été donné, Apocalypse 19, verset 18 maintenant, de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes ou bien alors la justice des saints. Et ici, dans Apocalypse 21, dans la dernière partie du verset 9, Apocalypse 21, verset 9, la dernière partie du verset 9. Ici, il est écrit, « Viens, je te montrerai l'épouse. » Maintenant, il est écrit, « La femme de l'agneau. » Avant le mariage, elle est l'épouse. Mais après le mariage, s'il vous plaît, elle est la femme. La femme. Et alors, il est parlé au verset 12. Des 12 portes, des 12 murailles. Il est parlé aussi des 12 noms de la tribu des fils d'Israël. À partir du verset 18, ensuite, les 12 pierres précieuses sont décrites l'une après l'autre. Bien, frères et sœurs, je veux avec cela dire la chose suivante. À l'église épouse, appartenons seulement ceux qui, dans la nouvelle Jérusalem seront. Et la nouvelle Jérusalem, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce sont les élus qui, dans leur époque, ont cru ce que Dieu leur a dit et ont eu part à ce que Dieu, dans leur époque, a fait. Est-ce que vous pensez qu'au ciel, il y aura encore une discussion qui va continuer sur un sujet biblique? Les gens vont continuer au ciel là-bas, ils vont venir avec leurs opinions, etc. Et ils vont au festin des noces, à table, il y aura encore des entretiens, des disputes, des disputes sur des... Non, il y aura seulement la louange, des cris de joie retentiront de notre bouche et de nos cœurs. Et aussi ici, sur terre aussi, nous devons commencer, disons-le aussi clairement, aucune discussion, tout est déjà clair, tout est déjà vrai, on n'a pas besoin de discuter sur quoi que ce soit, et tout est témoigné dans la Bible. Pour ceux qui croient seulement la Bible, tout est déjà clair. S'il y a des questions qui sont encore à poser, et s'il y en a qui ont encore cette pensée de vouloir se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme cela est biblique, que cela soit dit aussi clairement. Tous ceux qui appartiennent à l'église de Paris, laissez-vous baptiser à Paris, s'il vous plaît. Tous ceux qui appartiennent à l'église et à Bruxelles, laissez-vous baptiser à Bruxelles. Tous peuvent se laisser baptiser là où ils ont leur demeure spirituelle, leur maison spirituelle. Nous baptisons des hommes ici
qui peut-être n'ont pas d'assemblée locale, qui n'ont pas de frères dans le ministère, dans leur région que Dieu a confirmé. Et là aussi, il est nécessaire de dire d'abord la repentance, la foi, et ensuite de reconnaître que le seul et unique baptême biblique est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom doit être prononcé par une immersion unique pour symboliser que celui qui se laisse baptiser est mort avec Christ. Il croit à sa mort en Christ. Et ensuite, il est ressorti de l'eau pour symboliser que désormais, il veut marcher en nouveauté de vie. Mais il faut que cela ait lieu dans le cœur. Cette transformation doit avoir lieu dans le cœur avant de pouvoir marcher ensuite en nouveauté de vie. Il faut que d'abord le cœur ait été transformé. D'abord, il faut que cela ait lieu dans notre cœur. Et à cela appartient que nous abandonnons le chemin large et que nous soyons passés par la porte étroite et nous ayons foulé le sol du chemin étroit qui est derrière la porte étroite. Nous avons trouvé la paix avec Dieu où vraiment nous avons apporté au Seigneur notre vie et nous demandons: Seigneur, je ne suis pas digne de venir dans ta présence. Je suis un pécheur. Fais-moi grâce. Agrée-moi par ta grâce. C'est ainsi. Alors, nous louons la puissance du sang, de la rédemption qui, par la grâce de Dieu, nous est accordée. Et que cela soit dit encore un instant, le baptême trinitaire dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas biblique. La doctrine de la Trinité n'est pas biblique non plus. Le mot Trinité n'existe pas une unique fois dans la Bible. Le mot Trinité. Le mot trois dieux n'existe pas non plus dans la Bible. Trois dieux n'existe pas dans la Bible. Ce sont les hommes qui ont voulu formuler Dieu. Formuler. Et je m'excuse. Excuse pas de le dire ouvertement, l'enseignement de la Trinité a été inventé contre les Juifs et contre leur Dieu, contre le Dieu des Juifs qui croyait à un seul Dieu d'éternité en éternité, depuis le commencement. Yahvé, je pourrais aller dans l'histoire de l'Église pour savoir d'où, depuis l'année 321, les Juifs, on leur a interdit de fêter leur sabbat. Et alors que quand Constantin a lié la puissance de l'État avec la puissance de l'Église, et cela contre les Juifs, tout cela a été adressé contre les Juifs. Dieu est un seul Dieu, est constitué d'une seule personne. Le Dieu seul est un seul. Et c'est ainsi que nous l'avons lu dans la Bible. Et il n'y a vraiment aucune pratique dans la parole de Dieu, dans la formule de la Trinité. Il est dit même de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, au verset 12. La formule de la Trinité est utilisée dans beaucoup de choses. Même en entrant dans la loge des francs-maçons, ils utilisent le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour entrer dans cette loge satanique. Vous pouvez lire tout ce qui est fait dans la sorcellerie, tout ça, ils utilisent la Trinité. Ils ouvrent la Bible, hein. Et leur cercle est à côté. Et ensuite, il y a un cercueil. Et la personne qui veut devenir franc-maçon doit ôter ses souliers. Ensuite, suit la formule trinitaire, Fils, Père, Père, Fils et Saint-Esprit. Après qu'ils aient fait, ils aient juré, etc. Et frère Branham disait que Satan se cache derrière cette formule trinitaire. Et c'est ainsi qu'il a trompé tout le monde religieux. Et il a sous son contrôle et il a séduit et trompé et égaré. C'est peut-être raison, mes frères et sœurs. La prédication de l'évangile, de la vérité est importante. Parfois, ça suffit de lire dans l'histoire de l'Église, Ce sont des faits. Ce sont des faits. De voir comment les choses ont été inventées, dans quelle année, etc. Tout est documenté.
Et maintenant, pour revenir à la fin, Dieu nous a accordé la grâce. Nous avons tous compris que les Juifs ont été aveuglés et que c'est seulement la partie élue qui atteindra le but. Et que Dieu a ôté l'olivier naturel à cause de leur incrédulité. Oh, que je puisse encore dire cela. L'incrédulité est quelque chose de terrible. Par l'incrédulité suit la désobéissance. Et c'est par l'incrédulité que les branches naturelles ont été ôtées. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec l'incrédulité et la désobéissance? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Seulement celui qui croit verra la gloire de Dieu. Nous voulons croire de tout notre cœur. Croire. Et pas croire comme nous voulons, mais croire comme le dit les Écritures. Et accepter toutes les promesses, surtout celles qui concernent notre époque. Et les attendre dans la foi et aller de l'avant. Je pense à ceux qui, il n'y a pas seulement 5 ou 10 ans, se sont ajoutés, sont venus, mais il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans déjà. Et nous avons, dans toutes ces différentes années, déjà attendu, n'est-ce pas, que le Seigneur achève son œuvre. Et entre-temps, il y a beaucoup qui sont passés par des épreuves difficiles, par des problèmes, par des épreuves très difficiles. Et peut-être même qu'à l'un ou à l'autre, cette pensée vint. Mais tant d'années sont passées et nous avons entendu le message de la fin et concernant les promesses. Pourquoi est-ce que ceci et cela doit nous arriver? Mais Dieu ne permet rien si ce n'est que ça sert à notre bien. Car c'est ainsi que c'est écrit, que toutes choses servent à ceux qui aiment Dieu. Donc, acceptons tout de la main de Dieu, supportons tout et disons-le avec assez de clarté. Dieu ne tarde pas, il ne vient pas trop tard, il ne vient jamais trop tard. Nous croyons ce qu'il a promis. Il a envoyé son prophète, il a confirmé ce qu'il l'a promis et nous portons ce message et nous distribuons la nourriture spirituelle et c'est ainsi que l'Église est appelée à sortir et préparée pour le jour glorieux de son retour. Et ça, dans la foi, pour toujours accepter cela. Prenez-le avec vous. La fin, c'est Dieu lui-même qui la fera avec nous. La fin, c'est Dieu lui-même qui la fera avec ceux qui maintenant croient, qui maintenant acceptent, reçoivent. Il ne fera pas la fin dans un mouvement charismatique. Hein. Non. C'est pas là-bas où il y a des gens qui bâtissent leur propre empire romain, où ils ont leur propre programme. Le Seigneur va faire son œuvre, achever son œuvre dans l'église épouse. Dans l'église épouse, c'est là qu'il achèvera son œuvre. Il va accorder la pluie de l'avant et de l'arrière saison. La parole de Dieu va être confirmée. Tout va devenir vrai, tel que cela a été promis. C'est ainsi que cela aura lieu. Et sur le fondement de la parole de Dieu, nous pouvons dire, nous allons avoir part à cela. Et personne, aucun de nous sera déçu, nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur selon sa parole. Nous ne serons pas confus. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Avez-vous la foi que le Seigneur confirmera son œuvre dans son Église et nous sommes son Église. Soutien et colonne de la vérité. Pas un seul mensonge existe dans notre cœur. Pas aucune interprétation, rien. La parole originale de notre Dieu et de notre âme. Juste et notre sang est devenu une lumière sur notre sentier. Et c'est ce que nous croyons de notre cœur, rien d'autre.
Et Dieu, lui, veille sur nous, à cause de sa parole originale que nous portons dans notre cœur. Il veille sur nous, car il a dit qu'il veille sur sa parole. Il veille sur nous, à cause de sa parole, dans notre cœur. Et c'est le sang qui nous a reliés avec Dieu, avec tout ce que Dieu a dit. Loué soit le Seigneur pour la rédemption, par le sang. Loué soit le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole révélée. Loué soit le Seigneur de ce que maintenant nous avons la grâce de croire comme le dit les Écritures. Et aussi certain que Dieu, en toi et en moi, en nous, a commencé son œuvre. Aussi certain qu'il a commencé et dans le monde entier. Aussi certain, il l'achèvera. Aussi certain qu'il a commencé, si il a vraiment commencé, il l'achèvera avant son retour. Lui qui a commencé l'œuvre de la rédemption et de la création, il l'a achevé. Il a regardé, tout était bien. Tout était bien. Ainsi aussi, il achèvera l'œuvre de la rédemption et tout sera très bien, très bien. Pas seulement bien, très bien. Loué et exalté soit le Seigneur, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever. Et comme si souvent, ce cœur, chanter ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous courbons nos têtes, je voudrais aujourd'hui d'abord, premièrement, poser la question : qui croit de tout son cœur, comme autrefois la question fut posée dans Ésaïe, le chapitre 53 : qui a cru à notre prédication ? Ésaïe 53. Pour un verset, et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Je voudrais savoir, entendre votre Amen. Alléluia. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Qui croit? À lui, le bras de l'Éternel sera révélé. Celui qui croit, les mystères seront révélés. Tout cela, c'est un don de Dieu. Nous n'avons rien contribué à cela. Non, nous avons entendu le message, nous avons cru. Et la parole, nous l'avons reçue, révélée parce que nous avons cru. Notre Seigneur est un Dieu fidèle. Et comme de l'Apocalypse 21, nous l'avons lu, la nouvelle Jérusalem a 12 fondements, 12 pierres en pierres précieuses. Que ça l'ancien le Nouveau Testament, les 12 tribus et ensuite les 12 noms des apôtres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il est écrit, il demeurait, s'il vous plaît, il demeurait en toutes choses, dans l'enseignement des apôtres, en toutes choses, dans les prières, dans la communion, dans les prières, Actes des apôtres 2, verset 42, il demeurait. Et aussi la parole de 1 Pierre, chapitre 1, versets 7 et 8, nous devons aussi méditer cela dans notre cœur. La fin de toute chose est là. Ensuite, il nous a dit, comment nous devons nous comporter? Nous aimer d'un ardent amour et couvrir la multitude des péchés. Que l'amour de Dieu avant tout remplisse notre cœur, nos pensées, notre vie. Que tout soit fait dans l'amour.
et dans la paix. Et j'espère que la prédication est apportée aussi dans l'amour. Dans l'amour. Dieu nous appelle et nous avons entendu cet appel et nous sommes venus à lui. Nous avons suivi. En cet endroit, nous avons le devoir de prêcher la vraie parole, le vrai message et de le porter aussi dans le monde entier. Et nous allons maintenant ensemble prier que Dieu, dans tous les peuples, les langues et les nations, mette une fin à toute la confusion et à tout le désordre qui existe parmi son peuple. Et que le peuple de la Nouvelle Alliance revienne à toutes les paroles de l'Alliance, au sang de l'Alliance, pour que nous devenions un seul cœur et une seule âme. Nous voulons maintenant ensemble prier pour ça. Faisons-le maintenant. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, aujourd'hui nous te demandons pour ton peuple, et cela de tous les peuples, les langues et les nations, ton peuple qui est partout sur terre. Nous te demandons pour toute l'Europe, nous te demandons pour toute l'Asie, pour toute l'Afrique, pour le nord du pays américain, du continent américain. Ô Seigneur, nous te prions que du lever du soleil jusqu'à son coucher, que l'épouse de l'agneau revienne à marcher dans le même pas et que toutes les interprétations, tous les enseignements humains prennent fin. Et que tous ceux soient enseignés de Dieu et respectent la parole et la reçoivent révélée et comprennent tout de la bonne manière. Bien-aimé Dieu, ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Que les deux tombent en même temps, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, jusqu'à que le grain soit complètement formé, mûr dans le blé, soit manifesté. Que tu puisses bientôt prendre ce grain mûr dans ton grenier, ô loué et exalté, soit ta merveilleuse parole. Ton merveilleux nom est ton chemin avec ton peuple. Et béni sur toute la terre par la plénitude de ta grâce. Dans ton merveilleux nom, amen. Maintenant, nous allons encore prier pour tous ceux qui veulent se laisser baptiser. Donc, puis le grain tout formé dans l'épi. Pour ceux qui veulent se laisser baptiser, je demande aussi aux sœurs si elles ont un cantique, elles peuvent aussi le chanter, nous pouvons nous approfondir dans ce que le Seigneur nous a dit. Encore entendre aussi le cantique des psaumes. Le cantique des psaumes, les psaumes appartenaient à la louange de notre Dieu. Et nous chantons, n'est-ce pas, tous de tout notre cœur, tous ces cantiques. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais aussi remercier le Seigneur de ce que vous avez entrepris ce long voyage pour écouter la parole de Dieu. Ça, je l'ai déjà dit. Comment est-ce que les gens peuvent croire si on parlait à des chaises vides, mais ceux qui sont en ligne voient et que la salle est pleine et Dieu appelle. Et sa parole est précieuse pour nous. Et nous supportons tout, nous entreprenons de longs trajets pour écouter sa parole. Nous voulons être là quand le Seigneur parle. Nous voulons avoir part à ce qu'il fait dans le présent. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt?
hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich in weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez tous croire que le Seigneur vraiment le fait? Amen. En ses yeux, nous sommes déjà parfaits, parfaits, achevés, sans tache, sans ride, hein, à ses yeux déjà, devant sa sainte face. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifié, déjà. Alléluia. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait est parfait. Ne regardez pas à vous. Ne regardez pas aux autres non plus. Ne regardez pas aux circonstances. Regarde au Seigneur. Regarde seulement au Seigneur. Regarde au Seigneur. Il fera toutes choses bien. Si nous avons des frères et sœurs qui veulent se laisser baptiser, alors s'il vous plaît, le demandant de venir maintenant devant. Venez devant, vous qui vous voulez vous laisser baptiser. Qui veut se laisser baptiser, venez devant, s'il vous plaît. Allez devant, venez maintenant, s'il vous plaît. Oui. Il y en a plusieurs. Et quelles langues sont ici? Oui, c'est bien. Amen. 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 Oui.
Que le Seigneur soit remercié. Parlez-vous tous l'allemand? Oui. Tous. C'est bien. Oui. Oui. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur. Parce que le Seigneur vous a appelé et qu'il vous a fait grâce et que vous êtes venu à lui, reçu le pardon, la justification par la foi, et il pense plus à vos péchés. Pensez à cela. Sur l'arche de l'Alliance, il y avait le sang aspergé pour que tout ce qui existait et nous condamnait, le sang a ôté tous les dégâts. Croyez au pardon par le sang de l'agneau. Acceptez cela dans la foi. Dieu le Seigneur, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui sont venus devant. Aujourd'hui, je voudrais demander au frère Yuri qu'il puisse venir devant. Frère Yuri Kip, viens. Oui, 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 nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tous les frères. Aussi qui vont dans une autre église et qui ont trouvé grâce devant Dieu, disons aussi des choses comme ça. Seulement celui qui peut s'humilier devant Dieu, seulement celui qui peut s'humilier devant Dieu, celui qui pense avoir raison et être dans le juste, tous ont raison. Non, tous ont raison tant que... Il pense avoir raison, hein, n'est-ce pas? Tant qu'on pense avoir raison, alors on ne peut pas donner raison à Dieu. Nous avons été tous appelés à lui donner raison et à le servir. Vous avez tous consacré votre vie au Seigneur et vous faites l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que aujourd'hui cela aura lieu. Nous voulons ensemble prier. Grand Dieu, je suis touché. Ta parole a aujourd'hui produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Ô Dieu au ciel, couronne tous ceux qui vont se laisser baptiser de grâce et de foi, de miséricorde. Conduis-les, nous te les consacrons, nous te les consacrons. Ô Dieu, de tout notre cœur, nous te remercions de ce que c'est encore le temps de la grâce et que tu sauves encore, tu guéris encore et que tu pardonnes encore. Ô Dieu, que ta bénédiction se repose sur tous ceux qui vont se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Est-ce que nous devons rester debout? J'ai encore deux annonces à faire. L'une est, Dieu voulant, jeudi, ça commence l'un des voyages les plus longs par Singapour, les Philippines, jusqu'au commencement de l'Australie, jusqu'à la côte est de l'Australie. Et que Dieu puisse accorder sa grâce à ce voyage. J'ai toujours dit à tous que c'est avec cette année, je vais donc, après cette année, donc arrêter de voyager. Mais tous disent, non, tu dois continuer jusqu'à que le Seigneur revienne. Bon, que le Seigneur revienne pour moi ou bien pour nous tous, de tout ce qui est sûr, c'est qu'en janvier 81, j'ai vu l'enlèvement, j'ai pris part à l'enlèvement, j'étais, donc tous étaient jeunes, tous étaient habillés en blanc, j'ai vu l'enlèvement et ensemble, nous sommes montés auprès du Seigneur.
que j'aille avant. Ce qui est sûr, c'est que tous, ensemble, nous serons enlevés. Pensez à moi pour ce voyage. Comme déjà dit, ce sera l'un des plus longs, des plus loin, loin. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Encore une annonce. J'espère qu'elle deviendra une réalité. Tous nous avons déjà une fois entendu parler du frère Perry Green. Et parfois, j'ai parlé avec lui. Il y a quelques mois, il m'a dit, frère Frank, quand est-ce que tu m'invites? Quand est-ce que tu m'invites? Alors je lui ai dit, bon écoute, le temps va sûrement venir. Alors il a dit, moi je t'invite aussi. Et maintenant lundi, nous avons parlé l'un avec l'autre. Et il a dit, écoute, frère Frank, Dieu voulant, je viendrai le premier week-end en octobre. Je serai chez vous dans l'église pour prendre part à la réunion. Que Dieu l'accorde. Vous savez, peut-être que je peux le dire encore ici, le remarquer, la montagne sur laquelle la nuée surnaturelle est descendue était à peu près à 60 km de Tucson éloigné. Et le frère Green nous a montré tout le groupe de prédicateurs. Il nous a amenés là-bas tous. Nous avons vu de nos propres yeux des morceaux, le reste des morceaux qui parlent, l'ébranlement, à l'époque, s'était détaché de la montagne. Nous avons pu les voir de nos propres yeux sur la vallée descendant et les rochers, le reste des rochers. Et c'est cette détonation de tonnerre était accompagnée d'un tremblement naturel. C'est peut-être raison que frère Branham a toujours de nouveau plus de 50 fois parlé de cette tonnerre. Mais il ne se référait pas à Apocalypse 10, il se référait à cette expérience qui avait eu lieu pas loin de Tucson. Et je sais dans quel contexte toutes les choses appartiennent. Je le répète encore une fois, le Seigneur soit loué et exalté de ce que nous redonnons pas seulement ce que nous avons vu, ce que nous savons, mais nous avons nous-mêmes vu et entendu. Nous sommes des témoins oculaires. Nous étions dans l'endroit, nous avons vu de nos propres yeux toutes ces choses. Et aussi la parole de hier soir, je veux encore la mentionner. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais nous vous avons prêché la parole prophétique. Et nous avons informé concernant ce que Dieu a fait dans notre temps. On verra si le frère Green vient. Nous lui souhaitons la bienvenue de tout notre cœur. Il est avec nous, enfin je veux dire, qu'il puisse aussi prendre part à ce que Dieu fait maintenant, n'est-ce pas? Et nous avons particulièrement aussi de nos frères du Congo et les pays voisins entendus. Que Dieu fait de grandes choses, là où sa parole est crue, là où sa parole est reçue. Et alors que les frères disaient que plus de 8000 ont déjà déchargé les prédications qui ont eu lieu au Congo. Nous remercions donc le Seigneur aussi pour l'Internet, pour toutes les possibilités techniques que nous pouvons avoir maintenant pour que la parole puisse atteindre les extrémités de la terre. Oh, ceci est le jour du Seigneur. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Acceptez cela dans la foi. Acceptez, recevez toutes les salutations pour la Finlande particulièrement. Ah oui, Finlande et partout. Est, ouest, nord, sud, en Roumanie, partout. Recevez les salutations. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Sur nous tous. Frère Schmitt, s'il te plaît, va encore prier.
Grand Dieu, en regardant à toi, nous te disons merci de ce que ta parole ne reviendra pas vite, ne reviendra pas sans effet, mais produit l'effet pour lequel elle est envoyée. La semence incorruptible de la parole est semée, la semence précieuse. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que le témoignage de ceux qui sont ici devant toi, ils rendent témoignage que ta parole est la vérité. Et elle les a touchés. Seigneur, bénis-les, accompagne-les toute leur vie et accorde ta grâce qu'un témoignage soit rendu. Bénis aussi tous ceux qui sont ici et qui ont écouté. Accompagne tous ceux qui repartent à la maison maintenant après la réunion. Sois leur protection et reste avec nous, aussi avec notre frère quand il ira en voyage. Oh, que tu envoies, c'est toi qui l'envoies. Et celui que tu envoies, tu l'accompagnes aussi. Et tu accordes ta parole, nous te remercions dans ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia, amen. Amen, alléluia, chantons ce cœur. Sois glorifié. Et que tout le peuple dise Amen. Amen.